Monté dans le Persillon, 11h15 du matin. Ici, je vous le jure, nous sommes bien le matin et la nuit, et pourtant tombé tout d'un coup, le ciel est tout gris, on se pensait le soir, c'est très rare que ça tombe de cette force, le vent et surtout la couleur du ciel, 11h15, je me répète, et vous voyez, après c'est parti, une force. Que derrière ma fenêtre qui est ouverte, je commence à être un peu noyé. Oui, je vais devoir arrêter ce reportage local qui voulait simplement vous montrer à quel est le département, et moi je vais être emporté peut-être. Mais vous voyez, parfois j'essaie d'être la couleur de l'actualité. Ouais, si si. Je suis un peu protégé, j'ai quand même ouvert un versant pour que mes fenêtres ne sont pas très propres et que vous pouvez deviner que celle qui est fermée, le versant fermé, est complètement rempli d'eau. Et voilà, je vais devoir arrêter ce reportage après une minute, mais c'était pour vous montrer mon truc en quartier blanc. On peut parler de cataclysme de post-électoral. Le président a parlé hier et les députés ont été élus dimanche, sans nous qui sommes très loin de la mairie. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Je ne vois presque plus rien. Je ne sais pas ce que cela va donner. Si, si, parfois pour l'actualité, il faut être au cœur des événements. Je vais devoir fermer car je commence à être trempé. Mais le haut de la caméra peut-être donnera quelque chose d'à peu près correct. Ici mon cul en terre blanc où j'espère pouvoir me connecter bientôt sur internet quand même pour vous envoyer ces documents. Waouh!